J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai publié comme une annonce qui disait que aujourd'hui la vidéo va porter sur une séance de questions-réponses. Donc j'avais demandé à tout un chacun de poser des questions sur The Purpose Talk, sur la vie de ministère, la vie spirituelle, sur moi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons finalement pour la séance de questions-réponses. Donc aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions, aux questions que vous m'avez laissées. Il y a pas mal de questions, donc j'espère fortement que je pourrai répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Alors, la première question, le pire pour toi en échouer et ne jamais essayer. Je dirais que le pire, c'est ne jamais essayer. Parce que si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir si tu vas réussir ou tu vas échouer justement. Donc, ne pas essayer, ça serait vraiment regretter après. Parce que tu vas avoir beaucoup de remords. Généralement, ceux qui n'essaient pas, qui ne saisissent pas certaines opportunités, qui ne prennent pas des risques dans la vie, ils regrettent après. Voilà, ils ont des remords, ils se disent « mais j'aurais dû essayer, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû voir où ça va me mener, j'aurais dû. » Et c'est plein de remords, plein de regrets, etc. Donc moi, je pense que le pire, c'est vraiment de ne pas essayer. Voilà. Échouer, on échoue. Hein. On échoue beaucoup dans nos vies. Souvent, il y a de petites choses, même en fait, c'est considéré comme de l'échec. Parce que du moment où tu n'atteins pas en fait l'objectif, où tu n'atteins pas le niveau où tu voulais arriver, tu as échoué. Donc, peu importe le domaine, hein, on échoue dans nos vies. Et ce même tous les jours. Mais on continue d'avancer, on continue de vivre, on continue de se lever le matin et on continue, voilà, de vivre en fait. Donc, le pire, c'est de ne jamais essayer. Donc, je vous conseille d'essayer de prendre des risques dans la vie, de saisir les opportunités et puis voilà. La deuxième question, quels sont les critères de ton partenaire idéal? On va poser des questions ici. Et... en tout cas, bon, mon partenaire idéal serait préalablement quelqu'un qui se serait préparé adéquatement en fonction des vidéos de la série Le Chrétien et le Célibat. Merci. Mais je peux ajouter à ça que voilà, ça doit être quelqu'un qui craint le Seigneur, qui sert Dieu, qui a une vision dans la vie, qui ne vit pas pour vivre en fait. Donc je me réveille chaque matin, je ne sais pas ce que je fais. Tant que j'ai un petit garbe à manger ou j'ai quelque chose à manger, c'est tout. Voilà, quelqu'un qui a vraiment une vision, qui sait où il va être dans 5 ans, dans 10 ans, ses plans, les plans pour ses enfants, les plans pour sa famille, les plans pour lui-même en fait, ses business, les choses qu'il veut accomplir dans la vie. Quelqu'un qui sait où il s'en va en fait. C'est très important. Quelqu'un qui respecte, qui est humble, qui respecte beaucoup, qui est humble. Et puis, quelqu'un qui a une oreille attentive, quelqu'un qui sait s'excuser. Surtout l'oreille attentive parce que je suis quelqu'un, j'ai un trait de caractère qui est poussé vers l'écoute. Voilà, j'écoute beaucoup les gens. Voilà, je peux souvent me retrouver dans des situations où je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup, mais j'écoute beaucoup. Et souvent, j'aimerais me retrouver dans cette position-là, en fait, de la personne qui est écoutée. Donc, je pense que ça serait très important dans ma future relation d'être avec quelqu'un qui a une oreille très attentive. C'est très important pour moi. Super important. Donc, c'est des choses que je peux ajouter à ça. Mais sinon, la bonne personne, la personne idéale, c'est une personne préalablement préparée. Et la personne bien préparée, c'est la personne qui a suivi, en fait, les étapes de préparation, qui s'est bien préparée dans son célibat. Des choses qui sont bien détaillées dans la série Le Chrétien et le Célibat. Donc, si tu n'as pas encore regardé la série, c'est le moment pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que toi-même, tu te prépares pour le futur tonton? Qu'est-ce qui se passe dans vos questions? Est-ce que toi-même, tu te prépares pour le futur tonton?
Mais oui, tout le monde se prépare. Du moment que tu es célibataire, tu te prépares. En même temps, ça ne veut pas dire que parce que j'ai parlé en fait de toutes ces choses dans Le Chrétien et le Célibat, la série, que je suis forcément comme ça, que c'est ce que moi je fais, que je dis. Voilà, il y a beaucoup de choses ouais, que je fais, mais il y a des choses aussi que je ne fais pas, que moi aussi je dois commencer à faire, que je dois me préparer à faire ou que je dois plus faire. Voilà, donc moi aussi je me prépare, c'est clair. Tout le monde se prépare, les amis. Tout le monde se prépare. Ok. Quelqu'un me demande facilement jalouse. Hein? Moi, je ne suis pas jalouse. Hein? Non, non, non. Moi, je ne suis pas jalouse. Et dans tous les domaines. Hein? Dans tous les domaines de ma vie. Moi, mes parents, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, contente-toi de ce que tu as. Et c'est comme ça que la jalousie commence. Quand tu es petite, tu commences à envier. Ah, tu vois, peine de ta maman. Eh, son père est long, moi, elle est petite. Sa robe est jolie pour moi, là, je ne veux pas, je veux pour ma camarade. C'est comme ça la jalousie commence. Si tu as déjà été jalouse ou tu commençais déjà depuis petite à être jalouse dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras pas jalouse. Donc moi, déjà depuis petite, c'était déjà dans ma tête. Quelque chose que j'ai, c'est pour moi, je me contente de ça. Et puis voilà, je ne regarde pas pour les gens, mais je regarde, mais si ça me plaît, mais pour moi, me plaît plus. Et je regarde ce qui est pour moi, parce que c'est ça qui est pour moi. Voilà, donc non, je ne suis pas facilement jalouse. Voilà. Peut-être que tu as voulu demander dans les histoires de oh, si tu es en couple et tout. Non, je ne suis pas facilement jalouse. Mais après, il y a des limites, il y a des choses qu'on respecte. Le respect mutuel, en fait, c'est très important. Donc, il y a beaucoup de choses. Si en tout cas tu es bien préparé, tu sais que ça l'entend normal, on ne fait pas. Tu n'as pas fait. Mais sinon, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas facilement jalouse, non. Le rêve que tu as abandonné, pourquoi? Et. Le rêve que j'ai abandonné le rêve d'être médecin. Je voulais être médecin. Je voulais être médecin depuis que j'étais petite. Même quand je jouais, je simulais en fait. Il y avait des situations où je simulais que j'étais médecin. Et il y avait une vieille mallette de mon père que je prenais toujours, je transportais partout dans la maison. Je jouais au médecin et tout. Je connaissais tous les noms des médicaments que ma mère me donnait. Donc je savais que ça c'était pour la fièvre, ça c'était pour ça et tout. Donc, je passais tout mon temps à jouer au médecin, en fait. Pourquoi j'ai abandonné mon rêve de médecin? Parce que les maths et moi, ça ne va pas. Donc, on n'est pas amis, on n'est pas camarades, on est loin, en fait, de se côtoyer. Donc, les maths et moi, ça ne collait pas du tout. J'ai fait une série A et je suis purement littéraire. J'ai terminé en A2, j'ai eu un bac littéraire. Fait que, non, les maths et moi, là, ça, à un moment, ça ne marchait plus. Donc, c'est arrivé à un niveau de désespoir, désespoir total, et puis, il faut laisser faire. Comment bien vivre sachant qu'on meurt tous? Bien vivre, c'est donner sa vie à Jésus. Hein? En tout cas, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu vis bien. C'est vivre selon la volonté de Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est vivre une vie vraiment épanouie avec Jésus. Donc, heureusement que tu sais que nous tous on va mourir. Ça, c'est diable. Maintenant, bien vivre sachant qu'on va mourir là. C'est vraiment donner ta vie à Dieu. La vie après la mort est assurée, quoi. Genre, j'ai l'assurance de mon salut. Donc, je vais mourir, mais je sais que je vais retrouver mon papa Yahweh. C'est ça. En aimant aussi nos prochains, en tout cas en démontrant à ceux qui sont autour de toi, à ta famille, que tu les aimes, en vivant aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. En tout cas, en profitant au maximum, en fait, voilà, de toutes les personnes que Dieu a mises autour de toi. Et puis, voilà, de tout ce que Dieu t'a donné comme talent, comme don, opportunité, comme grâce. Tu as tes pieds, tu as tes mains, tu as ta voix, tu as ta bouche, tout ce que tu as. Tu peux voyager, tu peux impacter, tu peux vraiment faire tout ce que tu as envie de faire, en fait. Voilà, qui plaît au Seigneur, bien évidemment, tout ce que tu as envie de faire, qui aura vraiment un impact. Et qui va toucher des vies, qui va impacter le monde en fait, qui va changer le monde positivement. Il ne faut pas être avare. Tu travailles là, c'est pour te faire plaisir. Quand tu as l'opportunité de te payer quelque chose, de te faire un cadeau, de t'offrir un voyage et tout, de prendre soin de toi, fais-le. Voilà, c'est ça. De prendre soin aussi de tes proches. Et puis, il faut les valoriser pendant qu'on est encore là, pendant qu'on est tous encore vivants. Ton plus grand secret, s'il te plaît tout ça. Mon plus grand secret, qui ne sera plus un secret si je vous dis ça tout de suite, c'est que je n'ai pas de secret en fait. Donc, désolée, j'ai pas de secret.
quel est le film qui t'a fait le plus cry? Miracle dans la cellule 7. Donc, c'est un film sur Netflix. Franchement, dès le début, c'est-à-dire dès la première minute jusqu'à la dernière minute, j'ai pleuré, j'ai dormi avec un mal de tête incroyable. Je vous promets que j'avais jamais autant pleuré de tout un film. Je pleure, hein? Je pleure presque tout le temps dans les films, aux petits films même, souvent c'est heureux, hein? Les gens sont très, c'est fait câlin, c'est juste la famille ensemble, je commence à pleurer. Mais c'était la première fois que je pleurais du début du film jusqu'à la fin, genre tout le film, pendant 2 heures, combien j'ai pleuré. Quel est le premier concert auquel tu as assisté? Mon premier concert, j'étais allée avec mon père, c'était un concert du groupe Eden. Donc, le groupe Eden d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Tes peurs dans la vie, c'est quoi? Mais déjà, ma première peur, c'est de ne pas accomplir la volonté de Dieu pour moi. Donc, de ne pas faire ce à quoi Dieu m'a appelé, ce que Dieu veut que je fasse, ma mission, voilà, qui m'est assignée sur la terre. Et puis la deuxième de mes peurs, c'est de décevoir mes parents. Genre de film. Moi, j'aime les films américains, les films de famille, les films de leçons, les films de Tyler Perry. J'adore. J'aime les films aussi nigériens, les films ghanéens. En tout cas, sur Netflix, les films de maintenant et tout. Les films vraiment bien réfléchis avec un bon scénario. En tout cas, j'aime beaucoup les films afro-américains. J'aime beaucoup les films aussi de la culture africaine. Anikulapo, ça c'est vraiment un film en fait du Nigeria. Vraiment, ils ont parlé dans leur langue et tout. Et puis, ça a vraiment une leçon, ça a vraiment une portée en fait. Donc, c'est tout le temps les films de ce genre-là. Les films qui ont toujours une leçon derrière. Sur YouTube aussi, il y a une actrice qui a une chaîne YouTube, Ruth Kadiri. 247 aussi, elle fait beaucoup de films en fait qui touchent à la réalité en fait, ce qu'on vit, ce qu'on voit dans les mariages, dans les familles, dans les histoires de frères et sœurs, en fait dans tous les domaines. Et puis c'est vraiment enseignant, éducatif en fait, ça enseigne et puis ça aide beaucoup en fait à comprendre beaucoup de choses. Donc moi j'aime beaucoup, franchement moi j'aime beaucoup ce genre de films. As-tu déjà pris une balle perdue en évangélisation? Ah mais oui, hein, sans manquer, j'ai déjà pris. Parce que ben, je suis venue, j'ai demandé, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Ils savaient déjà parce qu'il y avait Bib et puis il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'accompagnait. Ils m'ont dit carrément non. Ils n'ont même pas répondu au bonjour, bonsoir. Ta destination idéale pour aller en voyage? Et, en tout cas, moi j'ai toujours voulu aller au Brésil. Hein. En tout cas, depuis que je suis petite, je ne sais pas pourquoi. Mais non, bon. Sinon, il y a Bali. En tout cas, il y a beaucoup de coins. Je ne suis pas encore bien située dans ma tête, mais en tout cas, je sais qu'il y a Bali et puis Brésil, j'ai toujours voulu visiter, sans savoir pourquoi. Tanzanie, ben, les coins comme ça, quoi. Penses-tu avoir des enfants? Ah, mais oui, hein. Oui, je veux avoir des enfants. J'avais déjà répondu à ça, on m'a demandé combien d'enfants je voulais. Et puis, voilà, quoi. Ouais, je veux avoir des enfants. C'est clair. Ton métier de rêve quand tu étais jeune? Ben, j'ai déjà répondu... En parlant du rêve abandonné, donc je voulais être médecin. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est pas la voie que je prends du tout. C'est plus du tout la voie que je prends en ce moment. Comme vous voyez, je viens du travail. Je ne suis pas quittée à l'hôpital, en tout cas. Choisis un repas pour le restant de tes jours. Yeah. Hey. En tout cas, moi, j'aime manger. Je ne sais pas si vous savez, mais sûrement parce que... Je fais toujours un clin d'œil à la nourriture dans toutes mes vidéos, bon, presque toutes. Non, je ne peux pas choisir un, mais je suis désolée. Un seul repas. J'aime tellement tout, bon, pratiquement tout, que je ne peux pas choisir un seul repas, c'est impossible. Donc, vraiment désolée. Dans quelle mesure es-tu à l'aise d'avoir une conversation difficile, mais nécessaire avec quelqu'un? C'est sûr que c'est toujours gênant, hein. C'est toujours gênant d'avoir une conversation difficile et souvent même tu es comme, j'ai pas envie d'avoir cette conversation, c'est trop lourd, c'est genre, pff, non. Mais je me dis que la façon dont c'est difficile et puis c'est nécessaire là, si on fait l'effort d'en parler, de pouvoir mettre les points sur les i, tomber d'accord en fait, je suis sûre que demain il n'y aura plus lieu d'avoir cette même conversation. Parce que c'est difficile, mais c'était nécessaire. On l'a eu et puis on est tombé d'accord sur des choses, ça s'est arrangé, on s'est compris et tout. Donc demain, il n'y aura pas lieu d'avoir cette même discussion. Et c'est ce qui va faire ma force en fait.
c'est ce qui va me rassurer, va m'encourager de pouvoir avoir cette discussion. Parce que c'est comme si ben, c'est une bonne fois pour toutes, c'est la dernière. Donc, tu l'as fait maintenant et plus jamais dans ta vie, en fait. Ben, hopefully, et plus jamais. Donc, c'est ça. C'est une très bonne question d'ailleurs. Merci de ta consistance, Dieu te récompensera. Au passage, super belle. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. La consistance là, c'est pas facile, mais c'est Dieu qui donne la force. C'est son œuvre, hein. C'est pas pour moi la chaîne, je le dis pratiquement à qui veut l'entendre. La chaîne ne m'appartient pas. Donc c'est vraiment Dieu qui a fait, qui a mis en fait ce fardeau là dans mon cœur et puis c'est ça. Donc, on rend gloire à Dieu, hein? On rend gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci, merci, c'est très gentil. Ainsi prend fin notre séance aujourd'hui de questions et réponses. Donc, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Avant ça, n'oublie pas de commenter, de partager, de mettre un like et surtout de t'abonner. Alors, on se dit à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.